Qu'est-ce que je pense de la loi contre le hijab? Déjà, je pense que il faut rappeler que on a critiqué. Ils ont critiqué leur ami mécréant. Leur ami mécréant a fait une loi contre l'islam. Leur ami mécréant. Que s'est-il passé dans la tête de leur ami mécréant? Pourquoi leur ami mécréant soudainement a décidé de faire une loi contre, alors qu'ils ont tellement donné, tellement souffert pour eux, tellement souffert, sacrifié tous les jours, à paradiner. Et là, ce qu'était remettre mécréant, que se passe-t-il? Pourquoi cette loi? Alors que ça contredit l'islam. Oui, pourquoi cette loi? Surtout un islam de forme. Que se passe-t-il? Oh, mécréant, que se passe-t-il? Là, non. Donc, déjà, je voudrais revenir à la fameuse UOIF qui organise le projet, là, hein. J'ai dans l'article qui est ici. Hein. Quand on l'interroge sur le voile islamique, Fouad Alaoui, donc un des cadres de... insiste sur le fait que le port du hijab fait partie des prescriptions religieuses de l'islam. 100% vrai, c'est étonnant. Et il reconnaît que ça fait partie de l'islam. Il y en a qui disent non. Avant d'ajouter, attention, c'est pas fini. Avant d'ajouter, aussitôt, c'est-à-dire aussitôt il ajoute, nous affirmons que personne ne peut contraindre une jeune fille à porter le voile. Donc, ça fait partie de la loi, mais elle le porte si elle veut. Donc c'est une loi... Parce qu'en général, une loi, elle ordonne ou elle interdit. C'est pas clair tout ça. C'est pas clair, mais si, c'est très clair. Il faut juste décoder. Quand on décode, c'est quoi? Un petit peu pour toi, un petit peu pour toi. D'accord. Il donne un petit peu aux musulmans, parce que c'est une prescription, tout le monde le sait. C'est une prescription... mais on n'oublie pas nos... Comment ils s'appellent? Nos amis. Nos amis. Ah, mes amis, je vous aime. Voilà. Donc, un petit peu pour toi, un petit peu pour toi. Comme ça, tout le monde est content. Ouais. Donc, c'est une loi, mais elle fait ce qu'elle veut. Comment on appelle ça? C'est une nouvelle loi? Parce que moi, je ne connais pas cette loi-là. J'ai lu le code pénal, j'ai lu le code de procédure pénale, je sais ce qui est obligatoire, pas obligatoire, abrogé, abrogeant, mais c'est une loi... Surérogatoire, quoi. C'est à mi-chemin entre... Entre la loi et le conseil et autre chose. En fait, c'est un mélange, peut-être. Voilà. C'est-à-dire, on met loi, conseil, recommandation, on tourne, on crache dedans 3 fois, on sort, et ça sort ça. Voilà. Donc, tu vois, c'est des propos qui sont lamentables. Qui sont lamentables. Ou alors, on a encore la position de fermeté des pouvoirs publics français, nanana. Le cher Tantaoui, recteur de l'université d'Al-Azhar au Caire, la plus prestigieuse institution de l'islam sunnite. Attention. Sunnite, la plus prestigieuse institution de l'islam sunnite. En présence de Jean-Pierre Chevènement, donc son ami mécréant, qui va dans la plus prestigieuse ancienne. Le ministre de l'Intérieur, en visite officielle en Égypte, a demandé à Mohamed Sayed Tantaoui, affirme, donc le grand, la référence des références, si l'État français juge contraire à ses traditions le port du voile, dans les lycées, les musulmans doivent s'y conformer. Les musulmans ont l'obligation de se conformer aux lois du pays qu'ils vivent, sinon ils doivent le quitter. Ça c'est dans le Coran, c'est dans la Sunna, c'est... Ah, c'est peut-être dans son Coran. Mais moi j'ai pas vu dans le Coran. Donc un musulman, quand il va vivre chez le mécréant, il a le droit de vivre, il a le droit de tout ça. Ici, il n'est pas d'accord, il rentre chez lui. Voilà ce que les propos hérétiques. Ça, c'est une grande autorité de... C'est la référence de l'islam sunnite. La référence de la plus prestigieuse institution de l'islam sunnite. C'est du jamais vu. Jamais vu. Les musulmans, ils sont venus jusqu'à Poitiers... c'est du jamais vu, moi je ne peux pas commenter ça, après c'est un niveau trop on peut pas commenter ça, moi je peux pas commenter ça, mais ça m'étonne pas parce qu'il était en visite, il est parti voir M6 chez lui là-bas, il est parti lui embrasser les mains, donc ça va dans le truc, mais bon, moi je peux pas commenter ça. Donc pour revenir à la question du port du voile, les musulmans ils vivent en France. On leur interdit le voile. Ils ont transgressé les lois sur le fait d'aller vivre chez les mécréants. De cette transgression-là, ils ont transgressé les lois de l'autorité, ils ne payent pas la zakat. Alors Tawhid, il en a pris un coup parce que le fait d'obéir à une autorité, etc. Bon, bref, donc il y a 99% de la pratique qui est ordonnée, elle n'est pas appliquée. Mais pourquoi que le voile, ça les intéresse, et le reste, on n'en parle pas? Et le reste, en admettant qu'ils portent le voile, et le reste, ça les intéresse pas. Le fait de donner la zakat à l'autorité compétente, comme il a fait, non pas à droite à gauche, le fait du tawhid, le fait de mettre en application les lois pénales, commerciales, civiles, dans le Coran, l'héritage, tout ça, le fait, enfin, toutes les lois qui existent dans le Coran, dans la Sunna du prophète, on n'en veut pas de cela. On n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le voile. Dès qu'on a le voile, c'est bon, on a accompli notre religion. Donc, c'est déplacé. C'est complètement déplacé. Pourquoi? Donc, le fait qu'ils ne puissent pas porter le voile en France ou sur un territoire qui est géré par d'autres lois religieuses, c'est les conséquences de la violation qu'ils ont fait aux lois qui interdisent la présence d'un musulman sur un territoire non musulman non converti, et c'est tout simplement les conséquences, tout simplement. Donc il n'y a absolument rien d'étonnant. Donc maintenant, si le mécréant est bien gentil et accorde à la personne de porter le voile, ce sera un acte de gentillesse de sa part. Mais s'il ne veut pas, ben, il ne le fera pas. Mais je ne vois pas en quoi ça change la question de la foi. Vivre, accepter de vivre et de se soumettre de bon cœur à des lois autres que celles de Dieu, fait de toi un apostat. Tu les aides économiquement, tu paies les impôts, tu es allié avec eux, tu les soutiens, il n'y a plus de tawhid, il n'y a plus de zakat, il n'y a plus rien. Mais tout ça, c'est pas grave, c'est le voile. Si on a le voile, c'est bon, on est tranquille, c'est bon, notre religion, elle est pour ainsi dire, parfaite. Donc, le problème sur le hijab, je suis désolé, c'est pas Beyrouth, c'est pas Chirac. Le problème, c'est ceux qui ont transgressé les lois divines et coraniques, et puis c'est les conséquences de leur transgression. Il n'y en a pas qu'une, il y en a des centaines de... Si on commence à chercher tout ce qui n'est pas pratiqué par rapport à cette transgression, on peut faire un livre. Donc, pour moi, je trouve ça tout à fait logique. C'est une conséquence parfaitement... c'est sur les causes qu'il faut agir, et non pas sur les conséquences. Voilà. Et les causes, c'est nos dirigeants. Bah, les dirigeants, s'ils préfèrent, au lieu de dénoncer et de montrer aux gens qui ne connaissent pas, comme ils sont chargés de le faire, étant donné qu'ils sont dirigeants, qu'ils sont imams, qu'ils sont savants, qu'ils sont étudiants, ils ont failli à leur devoir. Ils ont failli à leur devoir pour des raisons qui sont malheureusement connues, puisque ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Et à partir de là, les gens d'en bas, ils savent plus... ils savent plus quoi. D'un côté, ils se doutent bien que c'est pas clair, ils se doutent bien qu'ils pratiquent pas leur religion, ils se doutent bien. Mais quand ils voient que tout le monde fait la même chose et que personne ne dénonce ça et qu'ils trouvent de réponses à leurs questions que du baratin à travers les écrits, à travers les conférences, etc., en les appelant à la modération, à la tolérance, ben, au bout du rouleau, on se sent seul, donc on est seul, ben, et on se dit ben, je dois avoir tort. Donc on suit le troupeau, tout simplement. Tout simplement. Mais il le voit en lisant le Coran, la contradiction... Bah, même s'il ne le voit pas clairement, il s'en doute bien. Il se doute bien que c'est il pratique un islam de pure forme, un islam de la fin des temps, un islam formaliste. Il se doute bien qu'ils pratiquent, pour ainsi dire, rien de leur religion. C'est bien évident. Ils pratiquent quoi de leur religion? La shahada. La shahada implique, comme c'est connu et reconnu, le fait de se soumettre volontairement te sort du vrai tawhid. Parce que tu remets le pouvoir à quelqu'un qui te rend licite, illicite, ce qu'il veut, etc. Et tu te soumets à ça. Donc, il n'y a pas de shahada. Ta shahada, là, on en a pris un coup, si je puis dire. Ta prière, tu te prosternes en demandant, tu restes la Fatiha, alors que toi-même, tu fais pas le travail pour ça. Donc, tu demandes à Dieu, mais de l'autre côté, tu fais tout le contraire. Donc, est-ce que c'est une demande sincère ou pas sincère, etc., etc. Donc, ils ne pratiquent pas, il n'y a pas de religion. Il faut bien comprendre que mon propos n'est pas... De montrer du doigt qui que ce soit, c'est uniquement de prendre conscience, parce que moi je m'implique et je me reconnais dans le même bateau que tous ces gens-là. Cependant, depuis 15 ans, je fais un travail, c'est ce qui me vaut un certain nombre de problèmes. Donc moi, je suis avec eux, je suis coupable, je suis victime, je me reconnais, il n'y a aucun problème, mais je fais un travail afin que Allah Azawajal considère qu'effectivement j'ai ordonné le bien selon mes possibilités, selon mes moyens, j'ai condamné le blâmable, j'ai dénoncé avec les risques que ça comprend, etc. Donc, que ça soit mentionné dans mon livre le jour de ma mort. Ça laisse des traces. Mais on ne peut pas considérer qu'on est à côté de la plaque et qu'on est en contradiction avec les enseignements et puis rester les bras croisés et puis ne rien faire. Et dire oui c'est vrai, oui c'est